5 essais pour l'équipe de France, essai de Carbonneau, là, deux fois, Bernatza les combats, un essai pour l'Argentine, Kamerlinck, alors que Jean Abeilloud devrait se trouver en compagnie du lauréat de cet après-midi. Oui, le talent d'or pour Sylvain Marconnet, pour une première cape, on va lui remettre avec Marc Higonin et Jean Rennes. Sylvain, bravo, c'est votre première sélection, numéro 1, face à des Pumas qui n'étaient pas faciles. Je vous remets le talent d'or, Société Générale, France Télévisions. Bravo et à la semaine prochaine. Ben merci. Merci, merci. Restez avec nous, Sylvain Marconnet, on va peut-être voir comment vous avez vécu cette première sélection avec un talent d'or dont, dès ce premier maillot tricolore. Quelle impression un petit peu sur ce match, cette victoire qui a été quand même difficile à se dessiner? C'était une victoire difficile à se dessiner, c'est vrai qu'ils étaient très accrocheurs. Pour ma part, c'était ma première sélection. J'étais très heureux de rentrer au sein de ce groupe. Et puis voilà, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont éduqué, à Jubor, à Grenoble. Et puis merci à Max et à Bernard pour tout ça. Ils m'ont beaucoup aidé dans cette tâche. Sylvain, vous avez vu beaucoup ballon en main dans ce match. C'est-à-dire que vous êtes trouvé rapidement, vous avez rapidement trouvé vos repères. Oui, Jean Koskela veut faire un jeu à base de mouvement et de dynamisme. C'est un peu ce qu'on fait au Stade français. Donc c'est vrai que j'ai vite trouvé mes marques. Et puis ça a été un plaisir de toucher autant de ballons. Quel a été le moment le plus difficile de cette journée depuis le moment où vous êtes levé à Pornic et puis ici au coup de sifflet final? Ouais, je sais pas, ça a sûrement été le match. La deuxième mi-temps, vers la demi-heure, j'ai eu un gros coup de fatigue. Et puis voilà, mais sinon, toute la semaine c'est très bien passé. C'était une joie pour moi de participer à cette victoire. Voilà. Sylvain, merci. On vous laisse rejoindre les vestiaires. Des vestiaires où se trouve Laurent Belay, Stéphane Glas, je crois, Laurent. Oui, on est avec Stéphane. Stéphane, bravo pour la victoire. Ça, c'est pour le collectif. Et puis bravo à vous. Joyeux anniversaire. 25 ans, deux essais. Ouais, ben, c'est une belle manière de fêter mes 25 ans. L'année passée, je les avais fêtés sur une défaite à Gerland contre l'Afrique du Sud. Là, je fête ça sur une victoire.